Quand même malheureux d'avoir des cheveux blancs à 23 ans. Stop. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mayouz. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter mes lectures du mois d'avril. Alors, je vais plutôt vous présenter mes lectures que j'ai lues à partir de mi-avril à peu près, vu que je vous avais déjà fait un update lecture de début avril. Donc j'ai 7 livres à vous présenter tout de suite maintenant. Je vais essayer de ne pas faire trop tarder cette vidéo puisque je déteste faire des vidéos trop longues. Au total, au mois d'avril, j'ai lu 14 livres, notamment grâce à mon challenge 7 jours, 7 classiques, même si certains ont été lus en mai, mais bref, j'en ai lu quand même en avril. Mais du coup voilà, je vais vous présenter les livres que je vous avais pas présentés dans la vidéo précédente et les livres qui ne sont pas des classiques. Je vais donc vous parler tout d'abord de The Mental Instruments, donc là c'est le tome 2 de Cassandra Clare. Merci Luna. Je vais donc tout d'abord vous parler de The Mortal Instruments, le tome 2, La Cité des Cendres de Cassandra Clare, publié dans les éditions Pocket Jeunesse. Du coup, ça faisait un très très long moment que j'avais lu le premier tome. Mais ça va, puisque le premier tome, il y a eu un film adapté, donc je me rappelais quand même, vu que j'avais déjà vu le film, tout ça, tout ça. J'étais pas trop perdu, mais un petit peu quand même, notamment ce qui se passait entre Clary et Simon, enfin bref. Sans vraiment spoiler ce qui se passe dans ce tome-ci, puisque c'est un peu compliqué de raconter cette histoire sans parler du tome 1, mais je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire de The Mortal Instrument, notamment bah, grâce à la série des livres. Il y en a 10 000 des livres de The Mortal Instrument, notamment grâce à la série qu'ils ont fait sur Netflix et le film qu'il y a eu. Mais en gros voilà, c'est l'histoire de Clary qui apprend qu'elle est devenue chasseuse d'ombre, Shadowhunter. Et en fait elle rencontre un garçon, donc Jace, qui va lui montrer un peu tout ce monde là de Shadowhunter. Sinon on va voir aussi qu'il y a d'autres créatures, des sorciers, des loups-garous, des vampires, etc, etc. Et dans ce tome 2 j'ai bien aimé la relation entre Clary et Jace, Clary et Simon. Mais le problème c'est pas Simon, c'est pas Jace, pour moi c'est Clary, je la trouve trop insupportable comme fille, trop immature, trop too much en fait. Enfin, elle en fait toujours des caisses et elle est trop bornée et ça m'énerve, ce genre de personnage. Sinon voilà, on a quand même une petite intrigue dans ce tome-ci. J'ai beaucoup aimé la fin avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action. Ce qui se passe quelque chose avec Simon, enfin voilà, il se passe quand même pas mal de choses dans ce tome-ci. Mais après j'avoue que je suis pas non plus hyper fan de l'univers, je vais pas vous mentir en disant que j'adore Shadowhunters, pas du tout. Déjà j'aime bien le film mais je déteste la série qu'ils ont fait sur Netflix. Donc voilà, à peu près j'ai passé un bon moment en lisant ce livre, mais ça voilà, c'est pas un coup de cœur du tout. Ensuite j'ai lu Six of Crows de Leigh Bardugo, donc c'est le premier tome publié dans les éditions Milan, mais là c'était juste génial, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré cette lecture, j'adore l'univers qui a été créé. J'ai pas lu énormément de fantasy dans ma vie, je dois avouer, mais voilà, j'adore et j'adore en fait, enfin voilà, il y a des cartes et tout, le livre est juste magnifique, l'histoire est juste incroyable, les personnages le sont encore plus, on a une histoire de dingue, ça se passe à Ketterdam et en fait on a donc notre personnage, pas principal mais le leader d'un groupe qui s'appelle Kaz, qui est juste formidable, qui est badass comme jamais, enfin c'est un bad boy, il est juste génial, j'adore ce genre de personnage. Et du coup il va devoir créer un petit clan de personnes hors la loi, on va dire, et du coup il va recruter pas mal de personnes, il va recruter Inej, Mathias, Nina, Willan, et j'espère. Inej, juste incroyable comme personnage féminine, Nina aussi également, ça change de tout ce qu'on peut voir, franchement je les trouve juste fortes, indépendantes et fantastiques. Il y a un peu de romance, il y a de l'action surtout, il y a une histoire qui est tellement bien construite, mais j'ai tellement hâte de m'acheter le tome 2, vous savez pas comment. Tout est juste formidable dans ce livre, il y a une intrigue qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, il y a toujours des rebondissements et on croit quelque chose et en fait c'est quelque chose d'autre. Et même quand on croit avoir cerné le petit rebondissement, en fait il y en a encore un autre, donc c'est juste ça qui est dingue dans ce livre. Si vous l'avez jamais lu, il faut absolument passer... Enfin, sauter le pas plutôt. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu Cité 19 de Stéphane Michaka, publié dans les éditions Pocket Jeunesse. Que dire? L'histoire est plutôt originale dans le sens où ça va parler de retour dans le temps, dans le sens où notre personnage principal est une héroïne qui n'a rien à voir avec toutes les autres héroïnes qu'on peut retrouver dans l'histoire de la littérature jeunesse, young adulte, dystopie, science-fiction, tout ce que vous voulez. Mais il y a énormément de choses qui m'ont déplu et surtout le fait que dans ce livre, on a
plein d'intrigues qui se passent, enfin plusieurs intrigues, pas non plus énormément, mais plusieurs intrigues qui se passent, et arrivé à la fin, il y en a zéro qui sont résolues. Vu qu'il y a un tome 2, je suis d'accord, il faut laisser de l'intrigue pour le tome 2, mais je sais pas, tu résous quand même quelques petites intrigues dans ton livre, parce que sinon ça n'a aucun sens. Du coup ça m'a énervée, il y a plein de trucs qui m'ont énervée. En fait, pendant tout le long pendant toute la moitié du livre, il se passe quelque chose. Et arrivé à la moitié, il y a un retournement de situation. On apprend une chose hyper importante. On se doutait pas du tout. Enfin, c'était un truc un peu bizarre. Et c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme ça. Genre, hop, on vous balance ça comme ça. Donc, pour vous parler un peu du résumé de ce livre, j'ai l'impression qu'il est pas très très connu. Mais, donc c'est Faustine, elle a perdu son père, disparu, on pense qu'il est mort, tout ça, bref. Donc elle veut le retrouver et en fait elle s'est rendue compte qu'il a dû sûrement partir dans le passé avec un truc un peu, enfin bref, avec une histoire un peu particulière. Du coup elle le suit, elle retourne dans le passé et dans le passé il va se passer des choses. Arrivée à la moitié du livre, on a déjà oublié le père, même elle a oublié son père, elle est tombée sur une autre action, une autre intrigue, et donc voilà, c'était un peu bizarre. Franchement, j'ai trouvé que ce livre a énormément de potentiel dans le sens où l'histoire est assez originale, dans le sens où c'est du jamais vu, et que, enfin moi en tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était du jamais vu, et que voilà, mais c'est hyper mal amené. Voilà, c'est dommage, franchement, c'est dommage. Mais bon, dites-moi si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu, ou plutôt écouté, le 5e tome de Harry Potter de J.K. Rowling. Donc là, je l'ai dans les... édition Gallimard Collection Folio Junior. C'était ma première expérience de livre audio que j'ai lu en entier et je l'ai lu pendant, enfin je l'ai écouté pendant tout le mois d'avril. J'avoue que j'écoutais quelques chapitres par-ci par-là, mais les chapitres faisaient une heure à peu près et le livre audio au total en faisait 32, donc pour vous dire, ça fait à peu près une heure par jour. Voilà, et je crois que je l'avais même commencé en mars, il me semble, et qu'il y avait des jours où j'écoutais pas. Mais tout ça pour dire que pas besoin de vous faire un résumé d'Harry Potter 5, hein, de toute façon tout le monde le connaît. C'est juste un retour sur le livre audio, l'histoire je la connaissais, donc c'était pas une grande surprise, j'aime beaucoup. Après c'est pas le tome que je préfère, j'avoue. C'est pas, voilà. J'ai hâte de découvrir surtout, eh bien, le 7e. Peut-être que je continuerai à les écouter plutôt qu'à les lire, je trouve ça plus sympa. Notamment avec la voix qui lit le livre, je trouve qu'il le fait très bien, même si quand il raconte, enfin quand il dit les dialogues de Ron, il zozote, mais Ron logiquement il zozote pas, je sais pas. Mais du coup ça fait bizarre parce qu'il parle comme ça, c'est un peu particulier. Mais au-delà de ça, j'adore comment il raconte l'histoire, on est super pris dedans et en fait on voit les images en même temps qu'il raconte, je sais pas, genre je trouve que c'est hyper bien lu, parce que surtout je crois que c'est des acteurs, des comédiens, les gens qui... des doubleurs ou je sais plus quoi, les gens qui lisent. Donc voilà, en tout cas c'est très bien fait, j'ai beaucoup apprécié d'écouter ce livre audio pendant tout ce mois-ci, donc voilà, très bonne expérience. Ensuite ce mois-ci, le mois dernier, j'ai lu La Croix du Shopping à la rescousse, le dernier tome sorti, il me semble, de Sophie Kinsella, donc dans la lignée de tous les livres La Croix du Shopping. J'adore, c'est une valeur sûre de toute façon, puisque j'adore tous les accros du shopping. Ça fait des années que je les lis. Je crois que le premier tome que j'ai lu de l'accro du shopping, ça devait être le 4e ou 5e de la saga. Je sais pas pourquoi, je savais même pas que c'est une saga, donc j'avais commencé par ce tome-ci, bref. Et je devais être au collège quand je l'ai lu et j'ai juste adoré. Et à chaque fois, je passe un trop trop bon moment en lisant ces livres qui sont une pure bouffée d'air frais, je sais pas, mais... Je l'ai lu en 2 jours, enfin franchement c'est soumis mais hyper vite, même en une journée c'est possible, mais c'est hyper prenant parce que c'est pas une action de dingue, y a pas voilà, une intrigue de ouf, mais il y a quand même des choses, et surtout le personnage de Becky est juste à mourir. Becky donc accro du shopping, elle fait tout le temps des gaffes, il se passe des choses et tout dans sa vie, voilà, elle a des potes, tout ça, elle a un mec, il se passe vraiment beaucoup de choses, et du coup elle a une enfant, on peut voir dans accro du shopping, attends un bébé, je sais plus comment il s'appelle le tome. Ouais, je crois que c'est Attends bébé, d'ailleurs c'est le premier que j'ai lu de la saga. Mais voilà, juste génial. Si vous n'avez jamais lu La Croix du Shopping et que vous avez envie de lire des livres feel good, des livres qui vont vous faire changer d'idée, comment dire, vous apporter un peu d'air frais, et ben La Croix du Shopping est juste génial. Je peux pas vraiment vous dévoiler ce qui se passe, juste ben il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose déjà à la fin du tome précédent, donc La Croix du Shopping à Hollywood. Et on retrouve toute l'intrigue du coup dans ce tome-ci, dans le sens où bah, ils vont devoir aller recourir quelqu'un. Voilà en gros ce qui se passe, sans vraiment vous spoiler, parce que c'est compliqué vu qu'il y a 8 tomes au total qui sont sortis. Donc
Donc voilà, mais juste, enfin, ce sont des histoires petites, courtes, incroyables, juste géniales. J'adore la plume de Sophie Kinsella, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Et après de Guillaume Musso, publié dans l'édition Pocket, comme La Croix du Shopping d'ailleurs. Franchement, je crois que c'est le deuxième tome, enfin le deuxième livre de Musso qui a été publié. Voilà, l'histoire est assez particulière dans le sens où on retrouve un peu de fantastique dans cette histoire, puisque on va avoir un messager de la mort qui va arriver voir notre narrateur et lui parler. Donc lui, il va se mettre en tête qu'il va bientôt mourir, puisque si le mec lui est apparu, c'est qu'il va bientôt mourir. Et il va essayer de vivre sa best vie pendant le temps qui pourrait lui rester. Voilà, j'ai trouvé que l'action avait un peu du mal vraiment à commencer, le temps que l'auteur mette vraiment les bases, un peu tout ça. Et nous parler des personnages, parce que Musso a une très belle plume, surtout quand il nous parle du passé des personnages, et je trouve que ça les rend hyper attachants, ce qui s'est passé dans ce livre, hein, voilà, c'est qu'on s'attache énormément aux personnages, donc le personnage principal qui s'appelle Nathan, et à son ex-femme, qui s'appelle... Bref, à son ex-femme, et même à sa fille, enfin leur fille qu'ils ont eue, donc voilà, et par contre une fois passé la moitié, les intrigues s'enchaînent, l'action s'enchaîne, et on a du mal à poser le livre, et je l'ai lu assez rapidement à partir de la moitié, mais j'avoue j'ai un peu traîné le début. Mais sinon, franchement, c'était une bonne histoire, et j'ai un cheveu qui m'énerve. Donc voilà, encore une bonne surprise de Musso, j'en ai lu qu'un seul, du coup c'est mon deuxième. Et j'ai hâte de lire les autres, voilà. Et ensuite, le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une BD. Il s'agit donc du Château des Étoiles. Donc le Château des Étoiles, le tome 1, 1869, La Conquête de l'Espace. Et c'est écrit par Alex Alice, écrit et dessiné, illustré. Et c'est publié dans les éditions Rue de Sèvres. Je suis pas très BD, comme vous pouvez le voir, je vous en parle jamais puisque je ne lis jamais. Mais voilà, mon frère avait ces BD là qu'il n'a jamais lu et du coup il me les a passés, enfin plutôt je lui ai pris. J'ai trouvé surtout que, avant même de lire, j'ai trouvé juste que les images étaient juste magnifiques. C'est fantastique, on retrouve des pages juste trop trop belles. Les illustrations sont juste géniales en fait, donc... Voilà, et au-delà de ça, l'histoire est juste incroyable également. Et en fait, je me rends compte que c'est exactement le genre de BD que j'aime, même si j'en lis pratiquement jamais. C'est le genre de BD qui me plaît énormément, dans le sens où ça se passe pas à notre époque, mais un ou deux siècles avant. Et voilà, il y en a une intrigue qui se passe, on a des enfants, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était juste superbe. Je vous lis le petit résumé qui est écrit. Au 19e siècle, d'intrépides explorateurs repoussent sans cesse les limites de l'inconnu, avides de nouvelles découvertes, ils tournent leur regard vers les étoiles. Et il faut que je trouve le tome 2, je sais pas où est-ce que je pourrais le trouver, mais juste formidable, l'objet livre est juste trop beau et l'histoire est juste adorable, trop mignonne. Et voilà, est-ce que vous l'avez lu? Telle est la question, puisque j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, je pense que j'étais assez concise quand même dans ce que j'ai raconté, en sachant que j'avais 7 livres à vous dont je devais vous parler. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas non plus à participer au challenge que je lance à partir du 18 mai jusqu'au 24 mai. C'est le challenge qui s'appelle Boukamé, j'ai fait une vidéo spéciale dessus et sur mon Instagram vous avez tout de répertorié, donc n'hésitez pas à aller voir et à participer. Moi du coup je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.